Le temps de la Noël fait partie de l'année liturgique. Celui-ci consiste dans la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Est-ce une raison pour considérer Noël comme la fête des enfants et ainsi la banaliser? Le père Maxime Omba, prêtre orthodoxe, apporte des éléments de réponse. Il ne s'agit pas d'un enfant qui vient au monde. Il s'agit de la réparation. Vous savez, quand Dieu crée l'humanité, n'est-ce pas, il crée l'homme. Après, il y a eu la chute de l'homme. Mais personne n'a pu réparer cela. Aucun prophète n'a pu réparer cela. C'est comme ça que Dieu décide cette réparation. Donc, on ne peut pas penser un seul instant que c'est la fête des enfants. Certes que, par rapport à l'humilité, par rapport à la simplicité de l'événement, c'est bien qu'il y ait effectivement une joie avec les enfants. Mais il ne faut pas donner cette fête le caractère d'un enfant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comprendre aux gens que c'est la fête des enfants. C'est la fête de la rédemption, de la réparation de l'humanité. Ce dernier revient également sur le lien entre la naissance de Jésus et le mystère de l'incarnation. De même que sur l'attitude du chrétien pendant ce temps de Noël. Le chrétien doit recevoir l'enfant Noël, c'est-à-dire l'enfant Emmanuel, comme Dieu, au plus profond de son cœur. C'est une fête, hein? Le symbolisme, effectivement, on va présenter, comme on dit, une statuette, un enfant, mais le fond, c'est le cœur. C'est la transformation de l'homme, c'est la rédemption de l'homme, c'est la préparation de l'homme. Il s'agit là, chaque personne puisse prendre conscience qu'à partir du péché, nous avons perdu le paradis. Nous avons perdu le sens de la vie. Nous avons perdu beaucoup de choses. Et l'enfant Jésus vient pour la réparation, pour redonner encore à l'homme ce qu'on appelle les vertus. C'est pour cela qu'on dit bien qu'il vient comme homme, mais il vient également comme Dieu. Le temps de Noël qui célèbre la nativité de l'enfant Jésus consacre la restauration de l'homme par Dieu après le péché originel. Par cette incarnation du Verbe, Dieu s'est fait homme pour que l'homme redore sa nature divine. Selon la formule de Saint Irénée de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.